Dans les allées de ce supermarché, c'est la course. Le réapprovisionnement des grandes surfaces a repris depuis ce mercredi. Pour certaines d'entre elles, le triple de la quantité habituelle de marchandises a été livré. À présent, il faut tout mettre en rayon et au plus vite. On a renforcé nos équipes pour au plus vite pouvoir remettre tous nos produits et satisfaire au maximum nos clients. Les premières palettes et les premiers containers sont arrivés et ont été débloqués. Pendant 15 jours, on a manqué beaucoup de produits frais. Le fromage, la charcuterie, libre service, ça a mis un petit peu de temps. Mais aujourd'hui, la situation redevient à la normale. Si la nouvelle réjouit les consommateurs, ces derniers n'oublient pas pour autant les difficultés de ces derniers jours. C'est vrai que ça met un petit peu la panique, surtout quand on a des enfants. Donc du coup, je pense que c'était vraiment une très bonne chose de trouver quelques articles aujourd'hui. Bah là, pour faire le plein quand on rentre, au niveau produits frais, c'est vrai que c'est un peu la pénurie. Je vois que ça a été un peu réapprovisionné, mais c'est vrai que ça a posé quelques problèmes aux gens. Ça dérange hein, quand il n'y a pas d'alimentation. Surtout pour les mamans. Bien que la situation s'améliore, il est fort probable qu'un tel phénomène se reproduise tant que les mouvements sociaux qui impactent la métropole persisteront.